Faut absolument que je montre un sac à main que j'ai reçu d'une petite créatrice qui m'a contactée en DM sur Insta. Elle m'a demandé si j'aimais bien son travail et si quelque chose me ferait plaisir. Et alors, j'ai repéré cette merveille. Regardez-moi ça. C'est tellement mon style, je suis fan. Je l'adore, j'ai pas d'autre mot, je l'adore. Et comme vous pouvez le constater, c'est fait à partir d'un ballon de basket, d'un vrai ballon de basket. Et d'ailleurs, elle fait plein de sacs avec des ballons. Je trouve ça trop fort. Et en plus, il y a un petit mot trop mignon. Voici ton sac fait main et avec beaucoup d'amour. Je meurs. Merci infiniment. Allez la follow pour voir son travail. Et s'il y a des pièces qui vous intéressent, eh ben, il faut lui envoyer un MP. Vraiment, ça vaut le coup parce qu'en plus, c'est des pièces uniques. Et en plus de ça, je trouve que ça fait une super déco. Enfin, ça va bien avec mon petit univers, hein. Regardez comme j'ai l'air débile. Je fais une lumière pour qu'on le voit bien. Et c'est le deuxième jour pour True Story. J'adore, j'adore. Regardez mon binôme du jour, le petit soleil. Le grand soleil est ici. Et là, on a la planète Saturne en face de nous qui va nous. On est dans la galaxie. Qu'est-ce qui Je se vous passe? présente notre deuxième guest. Et il vient de se faire clasher, on vient de lui dire que Je me fais défoncer. son pull n'était pas beau. Tout, en plus au début j'avais mis une veste, on m'a dit je ressemble à Dupont-Aignan. J'ai mis un pull, on m'a dit on va le changer au montage carrément, ce qui va leur coûter de l'argent, ils doivent vraiment être très laids. Du coup, sondage, son pull est beau ou affreusement laid? Ah oh! Léna, t'es à contresens, à droite, voilà. On peut traverser le Vas-y.